Salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec Yuna. Et Yuna... C'est Yuna. C'est Yuna You. Ah oui. Je mettrai sa chaîne dans les commentaires et dans la barre d'infos comme d'habitude. Oh, merci. Et je pense qu'il y a des personnes qui la connaissent, enfin, je pense que c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Voilà. Bref, aujourd'hui elle va m'accompagner dans cette vidéo, donc ça sera pour aller sur le MSP américain pour aller voir un item de Movistar Planet assez choquant, assez perturbant. Je voulais être sûre que ce soit vrai, donc j'ai vérifié avant et c'est vrai. donc voilà, je vais faire un MSP. C'est pas drôle. Donc on va faire Playno, on va se faire un nouveau compte. M'ajoutez pas, ça sert à rien. Donc on va l'appeler, voilà. C'est moi où t'as dit Playno? Playno, j'ai dit ça? Playno, Playdo. 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 C'est plus malin avec tes mains. Playdo. Ça pourrait être pervers. Alors on avait dit qu'on l'appellerait Jeannette du 93. Non, ça fait 3, ça te fait ton troisième compte en même pas 30 minutes. Alors pendant qu'on fait le compte, non mais c'est une blague. Le compte il est déjà pris. Le compte il est déjà pris. Putain, mais c'est une blague. Mais c'est pas possible. C'est moi. Mais déjà qu'on a la même idée que moi. Ah voilà. Tant qu'elle va faire Jeannette du 93 comme ça. Oui, donc je disais que. Pendant qu'on va créer un compte, je vais parler de la chaîne de Yuna You. Donc un petit peu, on va aller voir sa chaîne. Donc voilà. Donc pour l'instant, attends, je fais mon mot de passe. Donc lol 1, 2, 3, on s'en fout. Lol 1, 2, 3, n'hésitez pas à me pirater. Non, mais n'hésitez pas à me pirater. Et attendez, je mets en pause 2 secondes. On est. Donc voilà, le compte MSP se fait. Donc pour l'instant, je vous montre la chaîne donc, de Yuna You. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, elle a 580 abonnés. Donc moi personnellement, j'ai mis la cloche. Et sa bannière est cool. Donc voilà. Merci. Alors maintenant, elle fait plus trop de MSP. Elle a arrêté un peu trop le concept MSP. Voilà, elle a déjà arrêté les vidéos MSP Yuna. Avec un point d'interrogation. Et elle se met bien des simulateurs. Et bah c'est mieux. Ça change un peu. Parce que, voilà. Donc à la Discord, si vous voulez, je vous mettrai le lien de son Discord en description pour que vous puissiez aussi aller sur son Discord. C'est pas aussi spécial que sur mon Discord, je pense pas qu'il faut se présenter, etc. Y'a pas de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à lui faire monter jusqu'à peut-être 600 abonnés, ça serait cool. Et voilà, mais après c'est vous. Voilà, donc on repasse à la vidéo, c'est parti. Et je viens de remarquer, je n'avais pas lancé le truc, mais bon c'est pas grave. Mais moi c'est clair. T'as vu, il faut rentrer un code sous l'image, c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas, mais sur le MSP français y'a pas. Enfin, des fois y'a pas. Tu sais, sur le MSP canadien, il me semble. Canadien. Oui, je crois qu'il y a un MSP canadien, je sais plus. Bref, il faut. Il y a un âge, tu faut mettre sa date de naissance et tout. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc ouais, c'est bizarre. Donc on va attendre que Pixie. Pixie caca, tout ce que tu veux. Parle. Allez, vas-y, va te faire, j'ai compris. Casse-toi. Loin, très loin. Je t'accepte ton ami parce que t'as l'air cool. Attends, je veux de l'argent. Je suis pauvre là. Money. Ah, merci Zach Sky. Oh, tu es niveau 1, tu vas dépasser Poupini là. Ah merde, c'est pas Poupini là. Ah mais non, mais... C'est Roti Casse. Ah non, Roti Casse. Roti. Oh, j'ai dit Roti, les enfants. J'ai compris Skittles. Rackstar. Rackstar. Rax. Spandipolo. Lol. Bon, Spandipolo. Movie Town. Ils ont vraiment des noms bizarres. Bon, ouais. Ça se trouve, les Américains pensent que nous, les Français, on a des noms bizarres. Genre Poupini. Oh, on a des noms bizarres. Genre, moi, je dirais Poupini. Hein, parce que. Voilà quoi, hein. Moi, je dirais X-Kitaï, c'est bizarre. On va te faire. Et plutôt Yuna. Alors, on va aller dans le Design Studio. Ouais. Et on va aller voir les rares. Et oui, parce qu'il y a des rares, que ce soit sur le français ou sur la musique. Ça sert à rien, c'est pas ça. Voilà, et c'est exactement ça. C'est que de faire ça, ça ne sert à rien. Mais ce qui m'a choqué, c'est ça. Ça. C'est ça. C'est quoi ça? Il y a marqué F avec des petites étoiles. Excuse-moi, poteau, mais en France, nous, pour nous, ça veut dire fuck. Fuck la pince. Non, tais-toi. Mais forcément, t'as le t-shirt à 50 000 qui est à 50. T'as ça qui est à 40. T'as la coupe à Pixie qui est un pantalon. Bien sûr. Je suis d'accord. Mais on a ce t-shirt. On a ce t-shirt du coup qui est donc à 50 aussi, mais qui a marqué fuck. Et ça m'a choqué parce que. C'est un rare, je pense. C'est obligé. Ouais, mais non, mais je veux dire, sur MSP, peut pas. Bah, tu sais, il y a bien eu l'animation. Oui, il y a eu une animation fuck et ils l'ont supprimé. Ah sérieux? Ah oui, exact. Il y avait des gens qui avaient réussi à le refaire venir. Du coup, bah c'est sûrement rien. Mais du coup, cette fille a fait revenir un pauvre truc que MSP aurait fait. Mais je me demande ce que Movistar Planet, ils sont dans la tête en fait pour faire des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que MSP avant c'était un jeu drogué. Oui, je pense qu'ils sont drogués. Mais voilà, un t-shirt feu quand même. N'hésitez pas à aller voir sur le MSP américain parce que là, c'est pas possible. Dépêchez-vous parce que je pense que bientôt il y aura plus. Ça va être patché. Bon, il va s'en aller le truc. Pauvre. Et ouais, mais en fait, de faire ça, ça sert à rien. Après, ça peut être drôle, mais bah ça sert à rien. Patché, venir.
Bah moi personnellement j'ai déjà été bannie 4 fois à cause de mes techniques Sharp Proxy. De toute façon ça elle fait ça avec Sharp Proxy, c'est obligé. Mais pourtant ça n'a pas été patché. Ah non ça jamais. Bah tu sais pourquoi ça n'a pas été patché? Parce que personne ne peut les acheter. Ah si tu peux les acheter, mais ça sera pas un rare, ça sera un design comme voilà. Un design tout con. Donc je trouve ça un peu bête quand même de faire ça. Je sais que sur les MSP français il y en a énormément en ce moment de trucs comme ça. Il y en a même plus que sur les MSP américains. Sur les trucs américains, il y a ça. Regardez-moi, il y a cette robe. Et il y a quoi? C'est pour faire donner envie les nouveaux qui ne font pas quoi. Oh putain, il y a des trucs trop à part. C'est que moi au début je comprenais pas ce que c'était des rares. J'ai une bohème, je l'avais donnée parce que je savais pas ce que c'était. Et quand j'ai su que c'était un rare, j'étais dégoûtée et j'ai attendu au moins un an avant d'avoir une bohème. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un chien. C'est le style, tu peux pas comprendre. T'as le style, coco. Coco, t'as le style. Coco, caline. Non mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo dessus parce que... Ah là, c'est un peu bizarre. Non mais c'était marqué ça. Quoi? C'est marqué bi. Où ça? Je sais pas, il y avait un design, c'est marqué bi. Ça peut faire penser à plein de trucs. Ouais, elle a fait peur. Eh mais on peut pas qu'il fasse bouger, allons vite moi. Raro, attendez, Raro. Elle a l'air trop chaude elle. Raro. Oui, un peu chaude. Pau au chocolat. Ra. Ça fait des rares. Hop. Ah, elle a les yeux rares. Ouh, Raro a détruit. Attends, mais comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Raro. Mais de toute façon, elle était bonne. Raro, tu vois bien Raro avec un petit chapeau. Ouais, mais je pense qu'elle était pas ni. On peut pas cliquer sur les gens. C'est chiant, on n'a jamais pu là. C'est comme quand tu fais des échanges. Mais c'est bizarre, mais moi je vais la trouver moi. Petite dédicace à Raro si tu passes par là. Ouais, dédicace. Non mais sérieux, on dirait ma coupe. On dirait moi. Mais ça peut pas être moi vu qu'on est sur les MSP américains. Ah, je me suis niquée toute seule. La vidéo va durer 50 000 ans, mais c'est pas grave. Non. Donc bah en fait c'était vraiment voilà pour faire une vidéo sur ce t-shirt fuck. Voilà, je n'ai pas, je suis sans gêne. Je n'ai pas honte de le dire, c'est un t-shirt fuck. Voilà, fuck it t-shirt, fuck it t-shirt, fuck tout, voilà, c'est un fucking t-shirt aussi. Voilà, c'est un t-shirt fuck. C'est insultant. Et merci, je sais pas ce que vous foutez mais... Faut se réveiller un peu hein. C'est fuck quoi. Au lieu de gagner de l'argent avec des VIP. Non mais ouais. De toute façon maintenant que t'es de 0 à 100 ans, tu connais le mot fuck hein. Avant à 12 ans c'était tabou, mais maintenant... Mais par contre le t-shirt, enfin le bas à côté du fuck, est-ce que c'est un design ou... Ça? Non le t-shirt, le bas pardon. Le ça? Oui, c'est une jupe. Bah c'est Raro aussi qui l'a fait. Bah tiens Raro, tu m'étonnes pas que tu sois patché, mais ça va bien hein. Banni. Patché, banni, c'est pareil, c'était raté. Mais tu vois bien sur sa photo de profil, elle a une bouche rare, des cheveux rares et un chapeau rare. Ouais, bah c'est une grosse pirate, celle-là. C'est l'eau. Voilà. Oh, on va pas te dédicacer à toi, Raro. Oh, c'est pas bien ce que tu fais. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était voilà pour faire. Pour vous annoncer cette chose. Je sais pas si la vidéo était déjà faite, mais on s'en fout. Et sur ce. Ouais, je pense. On s'en fout. Peut-être que c'est américain. Americano. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Alors, c'est le cas que vous voulez. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Yuna qui sera donc en description et en commentaire. Abonnez-vous en masse. Abonnez-vous aussi à Mélo, sinon je vous tranche la tête avec le fuck. Ah là là, avec le t-shirt fuck. Fuck. Et la coupe à pixie. Oh. Avec Raro à côté de moi. C'est une insulte. Bon, oui. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Bisous.